Pataclap, pataclap, à la Malicorne. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, vous entendez la qualité de l'audio, comme elle est magnifique. Ouais, je me suis fait un petit plaisir, ça fait hyper mal au porte-monnaie, mais je me suis acheté un Blue Yeti. Voilà. La même chose qu'une icorne, si vous voulez aller voir. Donc voilà. Et sinon, bah, on va aller acheter des chevaux. Oui, c'est le week-end double star coin. Donc voilà, on va aller acheter deux petits hanovriens. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, aujourd'hui je suis seule, bah parce que on m'aime pas. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound. Donc voici le premier hanovrien que je vais acheter. Donc c'est le gris. Oui, je disais au début que je l'aimais pas trop, mais en fait il est grave beau. J'ai appris à l'aimer, voilà, parce qu'il y en a plein qui l'ont et tout. Puis je le trouve vraiment magnifiquement magnifique. Voilà, ça veut rien dire, c'est pas grave. Donc voilà, je le trouve vraiment beau. Allez, on y va, on l'achète. Donc je vais essayer de trouver Mistfall comme nom. Ça veut dire brume et je trouve que ça va vachement bien avec sa robe. Je voulais en appeler un Mistfall bah, qui venait de l'écurie Mistfall, mais je trouvais que les robes bah, elles allaient pas vraiment avec le nom. Mais voilà. Et je sais pas pourquoi ils ont appelé cette région brume, parce que personnellement je trouve pas que c'est de la brume, enfin c'est genre magnifique et tout. Je sais pas. Ouais, je sors plus de Mistfall, à part pour faire mes cours, je reste que dans Mistfall, c'est magnifique, je me balade que là-bas. Voilà, je sais pas pourquoi. Dites-le moi si vous savez, mais je crois que personne sait. Hein. Magnifique, il y a Mistfall. Bah du coup voilà, bienvenue à toi, Mistfall, dans mon magnifique écurie. Mon magnifique, bien sûr, ma magnifique écurie. Il est là, le petit Mistfall. Donc je me mets en noir évidemment. On va pas mettre du brun sur un cheval gris. Alors franchement, je trouve vraiment magnifique. Je sais pas pourquoi je l'ai pas aimé au début. Peut-être parce que je voulais pas l'acheter. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment magnifique. Voilà, donc je vais. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous aurez les petits zooms sur ces chevaux. Voilà, commencer à comprendre comment je fonctionne pour les achats. C'est toujours la même chose de toute façon. Et on va aller acheter à Golden Hill le blanc ou le gris. Ça dépend comme vous le dites. Moi, je dis que c'est le blanc-gris. Voilà. C'est le blanc semi-truité. Voilà, comme on l'appelle dans le club. Mais bon, on va aller chercher celui-là. Donc nous sommes enfin arrivés à Golden Hill. Voilà. Je sais pas si votre van ne marche pas non plus, mais en tout cas le mien il marche absolument pas. Je ne peux plus l'utiliser depuis hyper longtemps. Voilà, c'est assez embêtant, surtout quand je fais mes courses et tout. Puis ils ont aussi retiré la course de la pomme d'or. On sait pas pourquoi, personne ne sait, je crois. Bref, peut-être qu'ils vont la renouveler. Donc en tout cas, on va prendre ce petit cheval hanovrien qui est vraiment trop mimi. Alors j'aime pas quand il a cette coupe là qu'il a actuellement, mais j'aime quand il a les pions. Voilà, j'aime bien. Tandis que le gris, j'aime pas du tout quand il a les pions. Parce que, je sais pas, je suis bizarre. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on va l'appeler Phantom Ghost. On se dire fantôme, fantôme ou ghost, ghost. Ça dépend, comme vous voulez. Voilà. Voilà. J'ai trouvé ce nom. Qui ça lui allait bien, vu qu'il est blanc cul. Mais ouais, ça lui va bien. Donc, retour dans l'écurie. Allons voir ce petit chouchou. Évidemment, il y avait des box de libre. Alors, regardez-moi cette beauté. Ce petit ongre tout mimi. Regardez les petits points. C'est un peu vraiment un semi-truité, quoi. Enfin, c'est très léger. Et c'est ça qui fait tout son charme, en fait. Donc voilà, j'adore. On va aller chez le coiffeur pour aller changer tout de suite cette coupe là, dégueulasse qu'il a. On va vite aller mettre des pions, hein.
Alors, mettons les pions. Regardez comme il est magnifique avec les pions. Là, il est beau. Là, il est moche. Là, il est beau. Là, il est moche. Là, il est beau. Voilà, on va le faire beau à tout jamais. Voilà, je trouve magnifique comme ça.